Allez, on se retrouve sur le 32e épisode de Summer in Mara. Et on va manger une pomme. Ah, est-ce que les quêtes, le bug des quêtes est réparé parce que... Ah, ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé, moi, mais... Alors, du coup... Ah, et je viens d'apercevoir qu'il restait aussi les quêtes de Rikata. Que je n'ai pas faites encore. Et oui, mais ça s'arrête jamais, en fait. Il y a toujours des quêtes. Ok, bon, bah du coup, on va aller voir... On va aller voir Lizio. Ah, monte un peu le son parce que... Ah, ça bouge pas là, on dirait. Allez, on va faire ça dans l'ordre et puis au fur et à mesure, je tomberai sur lui. Hein. Sur elle, quoi. Plutôt. Sur Rikata. Ah, parce qu'en fait, il y a encore plein de quêtes à faire. Hein. Le celui du baril de tonneau, là, je le ferai à un dernier. Celui de Pili, Tili et je sais plus quoi, là. Lizio, Tio. Viens ici, ici. Ah, attends. Non, viens pas ici, ici. Moussaillon, qu'est-ce que tu as là? J'ai une invitation pour participer à l'une des courses de Monsieur Eco Plus. Ouah, est-ce que je dois y aller? Je crois bien. Ces courses sont pas mal. Mais il est tellement agaçant. Il passe son temps à parler de sa jeunesse. Tout le monde s'en moque. Inscris-toi, je suis sûr que ce sera amusant. J'espère. Merci de me l'avoir apporté, je te fais cadeau de ces sardines en échange. Ah cool, vas-y, donne. Je sais jamais, des fois si j'en ai besoin. Merci, maintenant je vais aller chercher Rikata. Yes! Ça, ça m'arrange parce que du coup... Alors du coup, ça m'arrange, mais là, perpète les doigts. Ah oui, là, la forêt brûlée. Donc du coup, on va faire est, est, est. Ouais, d'accord. Allez, hop. Ah oui, par contre, si est, mais si on va éviter de prendre le... Ah si, je vais peut-être... Wouah, c'est pas grave. J'aurai assez de carburant, je pense. Puis il y a des temples. Sur la route. Franchement, il est trop bien ce bateau. Il fait des marches arrière et tout, des créneaux. Des dérapages. Des drifts, voilà. Hop, niaou. Passer juste justesse. Hop, on passe celle-là. Il y a encore des sacs de couchage. Hein. Le truc que j'avais revendu parce que ça me saoulait au milieu de mon inventaire. Donc du coup... Ouais, c'est ça. Okay. Hop, on va aller vers l'est. Et en même temps, ça me permettra d'avoir la Rikata et de lui dire. De lui faire marcher ses quêtes aussi, comme ça. Parce que c'est quand même, je crois que c'est fini qu'elle a encore. Bon, on va pas récupérer tout ce qui traîne. Même si on récupère, mais ce qui est vraiment devant moi. Bon, le bois, c'est bon. Je vais remonter le bois. Attendez, on sait jamais. Oui. Allez là. Rikata. J'ai une invitation pour toi. Pourquoi? Pour l'une des courses, Monsieur Echo. On s'y amuse toujours beaucoup. Pourquoi est-ce que vous organisez des courses entre pirates? Parce que nous avons des bateaux et qu'on s'ennuie. Et que Monsieur Eco insiste toujours. Mais on s'amuse. Apporte-la à Théma. Tu verras. D'accord. Tiens, la messagère a droit à ses coquillages. Ah, cool. Par contre... Attendez. Ah. Rikata, tu sembles préoccupé. À vrai dire, je suis énervé. Qu'y a-t-il? Quand on m'a dit que c'était qu'être une pirate, personne n'avait parlé de ça. Quoi? Ils sont tous très sales, j'ai toujours du mal à me rendre aux réunions à la Florma interdit. Vraiment? Peut-être que tu es un peu obsédé par la propreté. C'est ce que dirait quelqu'un de sale. Et je suis simplement très déçu que par ces personnes. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, peut-être du savon, non? Je peux te donner la recette pour fabriquer du savon élite. Puis je pourrai en distribuer aux autres pirates. Je vais t'en fabriquer. Tiens, voilà tout ce qu'il te faut. Rapporte-moi en 4, s'il te plaît. Ah! Manque deux.
J'avais pas pensé que le savon ça me servirait. Alors, du coup. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va faire. Non. On va passer à acheter le savon. Revenir la voir. Acheter le savon. Faire du savon, parce que je pense que je dois avoir assez en plus. Ouais, encore une fois. Ouais. Attends, il y aura son money, je rechargerai le bateau. Hop là. Attendez. Ah non, je suis bête. Ah là là là. Qu'est-ce qu'il faut naviguer ce jeu. Bon, en plus, pour revenir à chaque fois, ça coûte super cher, hein, maintenant de voyager. Donc, okay. Ouais, j'aurais pu revenir à Kelly et puis faire Wed, mais bon. En plus, j'ai une structure à construire, tiens. On va la faire. Alors, on va la mettre où cette structure là? Si c'est faisable aussi. La ruche est faite. Ah, c'est ça là, la serre. Ah, mais il me faut 5 pots. Bah, vous savez quoi, on va la faire, hein, puisqu'on y est. On va d'abord faire le savon, on sait jamais. Ah, on va planter aussi les citrouilles, comme ça, si des fois j'ai pas assez de citrouilles, on sait jamais. Bon, ça m'étonnerait, parce qu'il m'en faut que. Ah non, mais je vais moi. Je suis trompé de. Désolé. C'est vrai, c'est bien le système en fait, on s'est même pas besoin d'attendre. Là j'ai des fraises aussi. Des tu. Non. Pigeonneau, casse-toi. Ah, il est chiant ce poussin. Hein. T'auras pas à manger, j'ai dit. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'occuper de vous. Je suis pas un gentil. Alors après. L'outil c'est bon. Atelier. On va se faire. Attends. D'abord, on va se faire d'abord le savon. Comme ça au moins. Il en faut deux. Non, qu'est-ce que tu me fais toi? Mmh. Yes. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là? Pourquoi on m'a donné des citrouilles? Il y a pas un pauvre. Pourquoi on m'a donné des citrouilles? Ah non, j'ai encore les quêtes qui bug. Ah non. En même temps, c'est Rigata qui bug. Ah oh, mais merde. Ah ouais. Il y a un problème avec les quêtes. Hein. Bon c'est pas grave, ça doit être ça. J'ai pas d'autre savon. C'est pas dans la cuisine, on est d'accord. Mais pourquoi dans des citrouilles si c'est pour faire avec du thé? Bah écoutez, on va en faire deux. Je vois que ça. Ok. Je voulais faire 5 pots aussi. Ok. Alors, on va dormir aussi quand ça c'est fait. J'ai pas compris le délire. Ah bah il y a des 4 qui bug, hein, franchement, perso, je sais pas pourquoi. Alors attendez. Ah bah du coup je vais arroser ça. Mais pourquoi m'a donné citrouille si c'est pour si c'est du thé en fait. Bon, pas chercher à comprendre, là, cherche pas, allez, oh là. Alors. Ah la serre ça se met quelque part spécial. Ah zut, il faut trouver. Ah c'est pas le grand truc, le grand coin là-bas qu'il y avait personne. Casse-toi. Faut chier ces poussins, Marcel. Non.
Alors c'est où? Ce serait pas là-bas, il y avait un coin où, un peu bizarre, je trouvais. J'ai l'impression qu'on pouvait construire quelque chose. Ce coin-là, non? Bah, ah si, c'est ça. Ah, cool. Ah, c'est joli. Ah, on peut planter et tout. Ah, génial. Ah, c'est beau ça. Ah, je me disais aussi on pouvait construire un truc. Ah, c'est mignon ça. Attendez. C'est quoi que j'ai vu là? J'ai vu un truc intéressant. C'était quoi que j'ai vu? Ah, c'était le tournoi. Là-bas. Bon, bah du coup, on va aller revoir pour le savon. Et après, si vraiment il y a un truc, il faudra que je me déconnecte ou me reconnecte. Parce que il y a les quêtes qui bug. Alors, du coup, il faut retourner à la terre brûlée. Donc, on va faire est. Est. Ouais. Ah, j'ai pas chargé le bateau. Bah, c'est pas grave, on ira charger au temple, c'est pareil. Ah bah le bois j'en ai pour 20 ans. Ah c'est la race. Global sleep. On va aller au temple en même temps. On va faire ça. Il y en avait même, c'est pas. Alors c'est un temple, ça, on est d'accord. Hein. Ouais, le temple de l'Orient. Alors il est où déjà ce temple? Je vais prendre le bon coin parce que. Ah c'est là. C'est vite à faire le tour. Ah je suis déjà venu. Ah oui, je suis déjà là où il y avait les. Hop, allez. J'espère que c'est ça. Alors. Ouais, j'ai pas compris quoi des citrouilles si c'est pour faire un truc avec du savon normal quoi. Ça y est, j'ai les savons. Tu ferais bien d'en garder un pour toi, petite. Qu'est-ce que tu insinues par là? C'est au cas où tu en aies besoin. Alors, attends. Et petite, mon oncle Aquila a besoin d'une toile. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve sous l'eau parce que ça ne se préserve pas dans ces conditions. Elle doit être fabriquée, mais je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Tu pourrais essayer, toi? Oui, qu'est-ce qu'il faut comme matériau? J'ai tout inscrit ici. Je ne sais pas pourquoi il me demande ce genre de choses. Ah ben la voilà la quête, le truc pour la toile de. Il fallait peut-être faire les quêtes d'elle. Ah ouais peut-être pas. En fait je sais pas. Ouais c'est un peu bizarre quand même. C'est pas vrai qu'une toile elle rapporte là à qui là. D'accord. Non. C'est ça. Ah ouais c'est encore bugué hein. Oh. Bon pour l'instant c'est facile à faire donc c'est pas grave. Attendez. Non. Hein. Alors quelle heure il est? On va faire dodo, comme ça au moins on est sûr que tout soit ouvert. J'ai ce qu'il faut. Allez, on va aller voir à l'atelier d'Akaji. Puis on sera à côté. On va passer par là, ça ira plus vite. Il y a les pommes, bon les pommes c'est pas comme si je n'avais pas.
Ah non, c'est pas toi, j'allais te parler. Alors, pour une toile. Ah, bah j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Et si je vois que c'est bugué, bah, je relancerai le jeu. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Ça le faisait pas avant. Ah, ça s'ouvre. Au moment où j'arrive. 2 kilos à 10h, lui aussi. Bon, c'est pas un magasin, mais bon. Akila, j'ai une toile pour vous. Est-elle intéressante? Non, elle est vierge. Ah, c'est ce que j'avais demandé à Rigata. Merci pour la toile. Tiens, voilà ta récompense. Si tu trouves d'autres choses intéressantes, apporte-les-moi. Ah, cool. Donc, attendez. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pareil. Donc, il faut que je parle à Rigata pour la quête suivante. Alors, ce que je vais faire... je sais pas si ça se regardait là. On va aller au bateau. Et je vais sauvegarder. Bah, sauvegarder. Je vais dormir, relancer le jeu, voir si la quête se débloque ou pas, parce que c'est un peu embêtant. Alors, vous verrez l'écran de générique, c'est pas grave. Enfin, je le signale, ça, je sais pas si c'est... Que certaines fois, les quêtes se bloquent. Je sais pas comment expliquer, alors, c'est ça le problème. On va récupérer tout ça, comme ça, c'est fait. Ça peut être toujours utile. Patin, ça m'a été utile. Hein. Eh, qu'est-ce que tu me fais? Hop. Ah, mais il est poubelle là. Il doit y en avoir une derrière, mais c'est pas grave. Ah, mais surtout que c'est une bouteille d'eau en plus. Très utile ça. Alors. On va dormir. Ah, bien sûr, il va me remettre sur le. Ah oui, il va me remettre sur le machin, bon, c'est pas grave. On va faire quitter. Oh, ça marche. Là, ça fait ça. Hein. Et on fait jouer. Dommage, on peut pas faire plusieurs sauvegardes si c'est bête parce que ça pourrait être utile. Si on fait une erreur ou quoi. Voilà. Alors, du coup, est-ce que les quêtes sont débloquées? Ça y est. Ah, il y a un souci de quête. Hein. Alors, je sais pas si c'est par rapport au niveau où on arrive. Mais là, il faudra que j'avertisse. J'avertirai Soma. Qu'est-ce qu'il a un souci après? C'est que ça le fait pas lui comme il joue. Je crois qu'il joue pas à la manette lui. Alors du coup. C'est vrai qu'il est... Ah, c'est vrai qu'il avait pas compte, ça marche plus. Ah, du coup ils te disent pas où elle est. C'est sympa. Bon, je sais où elle est, mais. Ah, faire. Est, est, sud. Sud. On a dit sud-sud. Bon, il y a des caisses par là. C'est utile les caisses, mais bon. Ah. Ah, là c'est pour un petit. Hop. Oh, lui, il me rentre dedans, lui, carrément. Lui. Et le constat, tu veux pas le faire, non? Ah, c'est terrible. Je suis trop B en fait, je suis allé trop vite. Bon, le bois. Ah, pourquoi j'ai pas revendu à Kaji le bois? J'y étais. Ah, zut. Rigata, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai rencontré un élite et il m'a parlé de Dadiva. Ah oui, le miracle et le fléau de Deva. Aurais-tu une recette pour en fabriquer? Ça pourrait servir. Il n'y a pas de fruit de Dadiva à Mara, petite. Et puis, ça ne servira à rien. D'accord, d'accord. Mais je sais comment préparer quelque chose qui s'en rapproche. Tu veux dire proche du Dadiva? Oui, même si c'est rapportement un échantillon. Ah bah c'est bon, j'en ai ça. Attendez.
C'est ça. Mais ce n'est que... Laisse-moi goûter. Il est impossible que tu aies réussi à reproduire la formule. Mais ce n'est que du jus de mûre. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. Quel idiote. C'est quoi ce dadiva exactement? Il y a plusieurs décennies de ça, les élites ont découvert que le fruit du dadiva était une source d'énergie surnaturelle. C'était un fruit défendu, mais leur arrogance leur a fait ignorer cette interdiction. Depuis, toutes les générations d'élites sont accros au dadiva. Il règne sur nos vies et notre société. Mais ce jus est excellent. Beau travail. Merci. D'accord. Ah! Regatta, depuis combien de temps es-tu à Mara? Ça fait quelques années. Je ne sais plus combien exactement. Et ta maison ne te manque pas? Ni ta famille? Si parfois, Aquila n'aide pas vraiment. Mais je m'entends bien avec les pirates. C'est bien. Par contre, ça me manque de pouvoir manger de la Remanta. Elles sont rares à Mara. Attends. On peut en attraper une? À Deva, c'est un mets exquis. Essayons ici. D'ailleurs, j'ai des chenilles qui serviront d'appât. Ah cool, je vais aller chercher une raie. Allons pêcher. D'accord. Donc du coup, ouais, parce que là, sans la quête, je serais un peu, sans le truc, je pourrais pas savoir où aller. Ouais. Ah! Ah d'accord. C'est pas la porte à côté. On va se faire sud-sud, est-ouest-ouest. Tu peux pas me le faire là à côté, là, c'est juste à côté, là, de chez toi. Non, il faut que tu me le fasses à pépette. À pépette les oies. Ben, qu'est-ce qu'il faut en faire du voyage? En plus, je suis pas allé, donc je pourrais pas y aller en voyage rapide. Ah, je pourrais aller au volcan, mais ça m'intéresse pas. Et après, il faut faire... on a dit de faire... Ah oui, il y a la baleine. De faire... Ah, ben, elle est là aussi. Ouest-ouest. En plus, c'est un coin qu'on n'a pas visité. Là, on va voir un petit peu comment c'est, si ça a bougé. La station élite, ça, elle a dû bouger, normalement. Ah, regardez, il est là aussi, monsieur Echo. Ben, merde. Puis je m'embête d'aller là-bas. Ah, il y a un crabe, un crabe, un crabe, un crabe, un crabe, un crabe. Voilà, je sais pas si j'y avais parlé. Bon. Ah là là. Du coup, après, on peut pas aller. Ah, peut-être qu'ils vont débloquer un de ces quatre, la carte. Ils vont peut-être faire des sortes de DLC. Je crois que ce sera gratuit. Mais... Ah, j'ai vu un crabe là. Je sais jamais. J'essaie d'aller sur le volcan, c'est parce que j'étais venu chercher des pierres spéciales pour les vendre. Mais on peut pas y aller. C'est dommage. Et je trouve que les îles sont trop limitées en fait. Ah, est-ce que la station élite va être là? Normalement elle doit plus y être, on est d'accord. Mais bon. À mon avis, ils ont pas fait le truc. Oh, elle y est tout. Ah, bah oui, elle y est plus. Elle est cassée. Ah, c'est génial. Elle est en ruine. Ah, du coup, c'est cool, on va découvrir un coin que j'ai pas visité. Bon, le bois ça sert plus à rien. Ah, j'aurais dû essayer de le revendre, même si ça me rapportait pas beaucoup à Regatta, je sais pas. Alors, on est où là? Ah, c'est quoi ça? C'est un fort? Ah, c'est la fameuse base navale! J'étais pas venu ici. Ah génial, c'est la base navale. C'est vrai que je suis pas venu encore ici. Duna devait donc utiliser ici avec ses mis. C'est énorme. Et du coup sur la carte ça fait quoi? Ça fait rien. On va visiter un peu. Ça c'est une Remanta ou pas? Non, c'est un poisson bizarre. Bon, vous savez quoi, on va le pêcher avec ça. Parce que c'est ce poisson. Un ton de Mara, d'accord. Il est tout rose. Ah, le fruit. Moi, je ne peux pas rentrer dans le fort. Non. Ce
Ce gramophone, c'est celui de Semi. Elle est rentrée à la maison. Lol. Bon, on va le laisser, on verra bien. Ah, c'est la musique du jeu. Yaya ne voulait donc pas que je découvre cet endroit, c'est rusé de sa part. Ah, j'ai oublié les fruits là-bas. C'est des fruits un peu spéciaux là, mais j'ai pas réussi à en avoir beaucoup, ça aussi. Et comme il faut y aller souvent. Pourquoi je marche dans le feu, c'est cool. Par contre, c'est où le poisson alors du coup? C'est pas ici? Ouais, il me dit que c'est ici qu'on peut pêcher un. Bah, il me dit que c'est ici, non? Bah, ouais, il me dit ici. Ah, il y en a une autre là. Non, attendez. Pourquoi ça m'a pas débloqué ça? Je sais pas. Ah, il y a du métal et tout en plus aussi. D'accord. Bon, après, on s'en fout un peu. Bon, non, du coup, c'est ici qu'il faut aller. C'est qui ça? Ah, c'est Hereti. Pousse-toi, petite, et faites attention. Comment peux-tu être si petite et avoir un bateau comme celui-ci, comme celui-là? Parce que je ne suis pas petite. C'est le bateau de ma mamie. Quelle mauvaise grand-mère pour avoir laissé un enfant seul. Enfin, comme ça, tu peux apprendre que dans ce monde, tu n'as besoin de personne d'autre que toi. Ce n'est pas vrai. Si tu le dis, petite. Je ne suis pas une petite, je m'appelle Koa. En fait, ouais, ils se connaissent, mais là, ils se connaissent pas, en fait. C'est un peu... Je m'appelle Hereti, je suis la pirate la plus rapide de Mara. À présent, si tu veux bien m'excuser, je vais reprendre ma route. L'océan est à vous. Évidemment. J'espère que nos chemins ne se recroiseront plus jamais. Au revoir, petite. Du coup, est-ce qu'il y avait des quêtes à elle? Apparemment, il n'y a pas de quête. Hein. Si, il y a une cinquième. Ah, mais il y a un bug dans les quêtes. Hein. Attendez, on va dormir. On va relancer le jeu. C'est pas grave, tant pis. Je suis désolé, mais c'est bizarre quand même. Je me sens qu'il y avait une quête à elle. Ah, puis il pleut en plus. Attendez. Non, attendez, on va essayer de reparler, voir si on peut lui reparler. Ouais, on peut lui parler. Ce n'est pas le bon moment pour parler, ce ne l'est jamais. D'accord. On va juste voir si ça débloque la quête. Eh, parce que c'est pas normal leur histoire. Ah, par contre, je vais recommencer où? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, ça va. Ouais, on sait que Duna était là. Bon. Pourquoi ça fait 5? Non, mais il y a un gros souci dans la quête. Je sais pas du tout. Bon, bah, c'est pas. Apparemment, il n'y a pas de quête à elle. Bon, ça. Allez, on va pêcher cette raie là. Ouais, c'est limite bugué quand même leur truc des fois. Hein. Ah, bah, tiens, regardez. Voilà. Donc ici c'est quoi? La pêche. Ah, j'ai trouvé de bouton. Ah, la Rimanta va être un peu plus costaud. Ça va. Ouf. Ok. Ouais, mais c'est vraiment là, je sais pas, ils ont un système de quête qui est limite buggé quand même. Ça part dans tous les sens. Là, je parle plus. Voilà, ça marche. Bon, c'est pas grave. Allez. Je revérifie quand même que je ne suis pas trompé. Ok, donc du coup. Bon, je sais où elle est. Disons. On va prendre. Est jusqu'à qu'on la trouve. Ah, on peut plonger aussi. Mais les phases de plongée m'intéressent tellement que j'ai même pas envie d'y plonger. S'il n'y a pas un succès pour ça, ça va? Oh, je m'en renseigne. Ah. J'ai mon chrono qui est tombé. Non, tombe pas. Bon, mais c'est pas grave. Attendez, hop, le nest. Voilà. Ah, on peut charger le bateau aussi, tiens. On va le charger comme ce qu'on est à côté. Il y a une fontaine là, on va en profiter. Puisque j'ai débloqué. Tu sais, quand on est à côté d'une île, si on est lent.
Ça y est, la musique est revenue. Il y a le crabe qui est un peu bugué, non? Attendez, est-ce qu'on peut passer par là? Logiquement, oui. Là, là. Bon, je crois qu'il me faudra pas de ça parce que du coup je suis à côté. Vous savez quoi? On sait jamais. Hein. Toujours prévoir l'imprévisible. Ah, ici. Hop. Il est où le dernier que j'ai vu là? Ah non. Et hop là! C'était où il faut que j'aille? C'est la plage de Minuit ou le rocher? Je sais plus que c'est. Je crois que c'est la plage de Minuit. Allez, avance. Fends les flots! Ah, il y avait un truc ou pas? Ah, il y a l'autre aussi, celle que. Ouais. Apparemment, elle a pas de quête. Ouais, il y a deux en même temps. Toum toum. Ah, on peut lui pas lui vendre des choses, hein? Non. Désolé, je t'ai coupé la priorité. J'ai pas le permis bateau. C'est pour ça. Ah, il est là. Wouhou! Hey. Hein? As-tu payé la taxe de pêche? Non. C'est combien? Je peux te faire un bon prix. Ça suffit, monsieur Eko, n'essayez pas de rouler quoi. Oh, Rigata, tu es là. Ah, d'accord, ok. Oui, alors, ça suffit. Montrez un peu de respect envers votre roi. Oh, je t'en prie. Personne ne croit en cette histoire de roi des pirates. Je suis la disciple la plus fervente de Grand Loom. J'étais déjà un pirate alors que tu portais encore des couches culottes. Eko, laisse-nous tranquille. Peu importe, on se reverra. Qu'il est gonflé. Ne t'en fais pas, allons-nous préparer à manger. D'accord, j'ai eu peur, je me dis. Ah, un moulinet en fibre. Oh, une cache, une cache. Une canne en métal. Ah, oh, génial ça. Mais, viens ici. Es-tu encore en pleine exploration marine? Je cherche quelque chose. Pour Aquila, si on veut. As-tu besoin d'aide? Ça ne te dérangerait pas de plonger ici? Pas du tout. Cherche une sorte de cube, tu le trouveras au fond de l'eau. D'accord. Alors, attends. Ah bah c'est cool, c'est une île que j'ai pas visitée en plus. Bon bah du coup, on va se faire nord. Ah bah comme ça on ira visiter. Eh bah c'est long quand même. J'aime bien ce qu'elle est déjà là en plus. On peut faire est aussi, repasser par l'arbre pour voir un peu comment il est, s'il a changé depuis. Je pense qu'il est toujours mort. Mais... ouais, c'est toujours un peu moisi que. Ouais, tu me diras, il est pas mort, mais c'est toujours étrange quoi. Ah, est-ce que je t'ai parlé à toi? On sait jamais. Mais c'est bien parce qu'en fait, il me faut aller sur les îles que j'ai pas visitées encore. La station abandonnée. Ah, mais c'est encore une station! Voilà ce qui arrive quand on abête la famille de Napopo. D'accord. Ah, c'est encore une station en fait. Donc en fait, finalement, il n'y avait rien d'extra quoi. Peut-être des crabes. Ah, j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est. Moi, ouais, j'ai récupéré du bois, monsieur. Allez. Et la mer va être rouge. Ah génial ce qu'ils ont... Ah là c'est pas mal ce qu'ils ont fait, on voit la station au fond. Les pieds de la station. Ça c'est pas mal par contre. Par contre le coffre il est un peu bizarrement posé. Je veux pas dire. Ah il est là. C'est pas mal les gros poissons aussi. Hein. Ah c'est là. Mais bon comme j'ai dit ces phases de dos c'est vraiment pas ce, qui, ce qu'ils ont fait de plus fun dans le jeu. Ils sont jolis les poissons par contre. Mais monte! Allez! Oh!
Oh! Bon, alors après. Du coup, on peut aller la voir à la forêt brûlée. Donc, on va prendre est, ouest. J'ai dit ouest. Et sud. Après, en fonction, si vous voulez voir Taïma, je retournerai à mon île, je ferai la canne à pêche, un truc et j'arrêterai. Et je ferai un épisode sur. Tiens, voilà ton cube. Ah, ben j'ai fini avec la quête de Rigata, j'ai eu le succès. Il est orné d'un joli symbole. C'est le symbole de ma famille. Comme tu m'as fait penser à Deva et que tu m'as apporté ce jus de mûre, je me sentais nostalgique. Oh, j'en suis désolé. Non, ce n'est pas grave. Il faut se souvenir d'où on vient. N'oublie jamais ça, quoi. Tu es de Mara. Et c'est tout. Alors, du coup. Ah, ben c'est bon. Voilà, nickel. Donc après, Taïma. Elle a pas pété les oies. Donc, comme j'avais dit, je rentre à Kélis pour aller plus vite. On va tout jouer. On fait la canne à pêche. Je stoppe l'épisode là. Et moi, je reprendrai un peu plus tard. Et on ira voir. J'essaierai de reprendre carrément à côté de Théma, tiens. Ouais, parce que ça la perpète les huiles. Là. Quoi que non, on partira de là, merde. C'est pour ça que j'ai peur de pas enregistrer et de me tromper de touche. Là que tout à l'heure quand j'ai coupé en deux le dernier épisode ça m'a pas trop plu. Hein. Mais bon, obligé. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à construire en fait que j'ai pas fait? Ah je sais pas si je l'ai fait celui-là. Ah j'ai ce. C'est ce flambeau que j'ai pas fait ou c'est ce flambeau? Ah. Ah, c'est celui-là que j'ai pas fait. On va essayer de le faire, tiens. Un tissu et l'autre, c'est un pot en terre. Un pot. Ah, bah oui, j'ai oublié qu'il fallait pas aussi. Du coup, j'avais plein de citrouilles, je sais pas pourquoi, mais dans les citrouilles, c'était pas les citrouilles qu'il fallait. Pas cher à comprendre. Alors, du coup, outils, canne à pêche. Vas-y, fais là. On est d'accord. Atelier. Alors, on a dit qu'il nous fallait un pot. Et j'avais dit quoi déjà? Ah! Ah, un tissu. Et je vais refaire quelques ficelles. On va faire ça. Alors, du coup, le pot, j'avais pas plein. Ouais, j'avais pas fait. Donc, le dernier pot, on va le mettre là. On va planter une fleur, on va planter une tulipe. Voilà. On est bon, et après j'avais dit qu'il fallait que je fabrique quoi du coup? Oh j'ai une ces mémoires des fois. Un flambeau. Alors du coup je crois que celui-là c'est celui que j'ai fait. Attends, on va aller voir. C'est quoi ça? Du coup je sais pas lequel c'est. Ah bah il y a le lapin. Ah. Oh. Alors attendez. Du coup, les flambeaux, je les ai un peu placés n'importe où. C'est pas grave. Du coup, je vais en placer un ici, à côté du totem, tiens. Ouais, je pense que c'est celui-là, tiens. Puis on verra bien, c'est pas ça, mais tant pis. Ah, juste, je l'avais bien placé, du coup, c'est pas mieux. Non, c'est le même. Merde! Il me faut deux tissus. C'est celui-là que j'ai pas. Merde! On va faire 3. Je pense que si là il va falloir que je replante un peu de la ficelle. Alors, surtout quand je vais à un truc, je devrais. Alors attendez. Bah, celui-là je l'avais pas planté finalement. Ah ouais, c'est celui-là en fait, j'aurais dû penser en plus. Je vois vraiment pas. Encore? Ah non, c'est une torche moyenne, d'accord.
En fait, j'ai eu le truc avant. D'accord. Ah! Non! J'ai oublié pour une... Non! Pourquoi j'ai brûlé le buisson? Pauvre petit buisson. On va te replanter. J'ai oublié, c'est vrai que le truc qui brûle. Oh! J'aurais pu foutre le feu au cerisier ou à l'oranger. C'est vrai qu'il faut faire gaffe aux torches, c'est dangereux dans ce jeu. Alors du coup, bah du coup c'est bon, alors du coup. En plus j'ai fini. Hein. Alors, combien... Ah, juste pour vérifier. Les ficelles, j'en ai combien? J'en ai 20 de ficelles. Ah! Et les plantes, j'en ai 39. Ah! Bon, on va tout transformer, je crois que ça sert à rien d'en garder. Ah quoi, qu'on sait jamais des fois. On va fabriquer 8 pour précaution. Ah, j'en ai utilisé quand même, faut pas croire. Du coup, c'est sur le perron de la porte que je vous dis à plus et au revoir pour le prochain épisode de Summer in Mara qui sera normal numéro 33. Et ça s'arrête jamais, j'arrive pas à m'arrêter. Mais bon. On va faire la course déjà, on verra. Allez, à plus et au revoir.